Voilà, normalement tout est bon. Donc on part sur une autre découverte donc de Battle Atlas de GTO, oui, GTO, je dis bien GTO, donc sur PS1. Alors, je vais vous laisser profiter de l'introduction. Et après, je devrais vous montrer un truc qui est juste assez incroyable. Allez, à tout de suite. Sympa les Jeux Olympiques, hein? Très sympa les Jeux Olympiques. Bon, écoutez, alors, avant toute chose, je dois vous montrer quelque chose. Alors, le jeu m'a l'air pas trop mal, mais il n'y a pas de musique. C'est plutôt le son du jeu qui est faible, alors les amis, dans ce cas-là. Alors, je dois vous montrer la magnifique jaquette du jeu. Alors attention, vos yeux ébahis vont être moultement ouverts. Attention, voilà. Vous voyez? Eh bien ça, c'est la jaquette du jeu. On a quand même fait mieux, hein. Alors, non, pas de gameplay, j'ai envie de découvrir. Alors, cette jaquette, elle est incroyable. Alors, j'essaie de l'agrandir. Hop. Regardez-moi cette magnifique jaquette de jeu. Cette jaquette, franchement, elle veut tout dire. Hein. Je trouve même qu'elle est assez poétique. Dans le même genre, elle est assez poétique. C'est-à-dire, c'est l'œil de la compétition. Tu vois, c'est les JO. Donc, on se dit qu'il y a un œil déterminé à traverser toutes les épreuves de la vie. Et donc, nous avons dessiné un œil pour voir cette détermination et voir la puissance du jeu qui se révélait en chacun de nous. Je dis de la merde, c'est incroyable. Alors, tiens d'ailleurs, je vais juste faire ça. Voilà. C'est tellement passionnant que j'ai décroché direct. Mais dingue. Oh là putain, eh ben, une jolie fin d'écran. Alors, difficulté, je vais mettre en facile. Je vais pas me risquer d'autre chose. Exit. Game start. Allons-y. Trois modes de jeu. Bon, on va commencer par le premier. Vous voyez, c'est vos futurs JO, ça, hein, les gars. C'est vos futurs JO. Donc, on va voir ce que ça donne. Bon, en tout cas, le chara-design, vraiment bien, bien d'époque. Hein. Ah, moi, j'apprécie. Tu vois, moi, c'est un style que j'apprécie beaucoup. Donc, on va regarder l'intro ensemble, voir ce que ça donne. Il y a un filtre assez bizarre quand même. Un petit cul en premier, ça on adore. Oh mon dieu. Ça va, ça a l'air sympa, hein, les animations comme ça. Ouais. Oh, mais montrez les têtes des gens, montrez pas leur cul. C'est quoi ces conneries? Oh, les visages déterminés. Non, sans moquer, hein, c'est vraiment des visages bien déterminés là. Oh putain, ouais. Il y a tant de monde que ça au JO, eh ben. Ouah, c'était des lasers ça? Ah oui. Ah, les JO maintenant c'est mortel. Ah oui, il y a même des explosions dans les JO. Eh ben, ça a changé, hein. Il faudrait quand même dire que les JO c'est devenu dangereux, hein. Les droits de l'homme, les droits de la femme, c'est... C'est une autre époque, voilà. C'est une autre époque.
Ah oui, on montre ce qui intéresse vraiment les gens. Les Jeux Olympiques de l'univers galactique qui sont, sont tous des humains. Ouais, carrément. Alors. Alors, je pense qu'on va sélectionner un personnage parce que bon, j'ai vu qu'il y en avait pas mal, hein, des personnages quand même. Ça m'étonnerait qu'on soit seul, hein. J'ai ça comme ça. Je suis une poupée. Oh mon Dieu. En tout cas, la cinématique, je sais pas si vous avez remarqué, mais elle est en 60 FPS. Hein. Quand il a fait le mouvement de la caméra, on a vu que c'était du 60 FPS. Attention. Bon, apparemment, de ce que je vois, on va contrôler un seul personnage. J'ai l'impression. Ling fin stage. Oula. Ferme-la. Non, parce que des voix comme ça surjouées, ça, je n'aime pas trop quand même. Bon, on va tâter du gameplay. On va voir ce que vaut ces JO, hein, totalement légendaires. Voyons ce que ça donne. J'ai jamais touché au jeu. Apparemment, ça part sur une cour d'athlétisme. Ouais, ça. C'est. Alors, les modèles sont beaux, hein. Par contre, il n'y a pas de musique. Il n'y a pas de musique. Putain, encore un jeu, il n'y a pas de musique. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ok, alors comment ça se passe? Attends, je n'ai jamais touché au jeu. Alors, elle se casse déjà la gueule. Merci, hop, au revoir. Oula, ouah! Mais c'est autorisé au JO, ça? Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Hop. Oh, que ça a l'air chiant. Oh, je sais pas vous, mais ça a l'air extrêmement chiant comme jeu. Ouah, qu'est-ce que c'est que ce... Attends. Ah, mais nage! Nage! Attends, je nage comment? Comme ça. Mais comment j'esquive ça? T'es marrant, toi? Oh non, on est reparti sur un jeu de merde. Oh les gars, on est reparti sur un jeu totalement moisi. J'ai l'impression. Oh non, oh non. Faut quand même pas me le faire, ça. Et je passe comment? Je peux même pas tourner, je peux rien faire. Je peux pas tourner? Ah bah si, la claque. Mais lol, la croix directionnelle. Oh mon Dieu, qu'est-ce que on est en train de vivre? Putain, mais j'étais au bord, mais tu te fous de ma gueule. Ah d'accord, tu peux piquer des sprints comme ça. Eh bien, ce jeu, c'est de la merde, voilà. Bon, sans déconner, on est encore sur un gros jeu de qualité, hein. Waouh! Ah oui. Alors, apparemment, on est sur du JO féminin. D'une énorme qualité sans vergogne. Mais qu'est-ce que c'est que ce machin encore? Mais qu'est-ce qu'on a retrouvé encore, les gars? Il faudrait que je nettoie mon dossier, hein, de Rome, hein. Maintenant que j'ai vu comment se déplacer vraiment. Voilà, hein? Faudrait quand même que je regarde. Et là, waouh! Alors, montrez bien vos fions et allons-y. Alors. Ah, c'est le replay! D'accord, j'avais pas vu. Non, mais. Montrez au public ce qu'il. Mais lol, elle avait pris un vélo, mais depuis quand elle avait pris un vélo, elle? C'est du jeu PSX. Ouais, tout à fait. Mais ce qui me perturbe, il n'y a pas de musique. Il n'y a pas de musique, les gars. C'est perturbant, ça. Regardez comment elle va, là. C'est moi où. Je viens de remarquer qu'elles ont des points de vie. Genre, tu peux mourir durant les JO. Hein. Un gros risque. En même temps, quand tu fous des épées, des bombes, des lasers partout, tu m'étonnes. Hein. Oh, mais même le décor il bug. Oh là 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 là. On peut passer le replay? Ah bah je sais pas, attends. Parce que c'est vrai que montrer des fions, ça va un moment, mais voilà quoi. Salut Ryugi. Parce que c'est cool de montrer des fions, mais ça va 2 minutes quoi. Alors, attends. Dain Dukai GTO, apparemment c'est le nom du jeu.
Le nom du jeu, mais aussi le nom de la série, parce que oui, apparemment, il y a une série de 26 épisodes, hein. Voilà. 26 épisodes pour se voir trimballer des fions, traverser des lasers et moult explosions, hein. C'est assez incroyable. Ça donne envie de voir, hein. C'est de l'entertainment, comme on dit. Non, mais c'est magique. Et attention, je vais vous repasser, pour ceux qui n'ont pas vu. Paf, ça, c'est la jaquette du jeu. Voilà. Je vais vous le montrer. Gros travail d'œil de détermination, hein. Bon. Allez, maintenant que je sais comment bien me déplacer, on va essayer de jouer, hein. Malgré le gameplay catastrophique du truc. Mais depuis quand elle a un vélo, elle? Alors, non, moi, je passe pas au-dessus. Non, je vais en dessous. Bah les couilles, frère. Je vais en dessous. Merde. Ah, mais en plus, tu proques la distance, et du coup... Oh, mais lol, je dois l'attendre. Putain, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh là 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 là. En vrai, si t'es trop distant par rapport à l'adversaire, tu ne peux pas. Tu ne peux pas continuer à courir, ça ne sert à rien. Oh mais qu'est-ce que c'est que ce machin? Mais nage! Nage! Allez, vite! Vite! Oh mais on est encore tombé sur un jeu de qualité, hein. Ah! L'opportunisme totalement raté. Ouah putain. Mais là elle peut me... Oui, on était au moins dans le même trou, mais tout va bien. Alors allez, cours Forest. Enfin, t'es pas Forest, mais quand même. Et puis quand il y a des épées sur le terrain aussi. Oh, putain, mais... Oh, mais c'est un jeu de fatigue, d'accord. Mais lol, mais genre... J'ai pas envie de me retaper ça. J'ai pas envie de me retaper cette course de merde. J'ai pas envie de me retaper cette course de merde. Oh mais il y a des jeux. Mais je vous jure, c'est incroyable. Passe-moi le replay, pardonne-moi ça s'il te plaît. Non, parce qu'au bout d'un moment, c'est plus possible quoi. Au demain, non, c'est plus possible des jeux comme ça. Bon, apparemment, il y avait d'autres modes, donc on va les essayer, hein. Voilà, bon, continue, zéro. Et là, waouh. Non, à un moment, faudrait jouer à des bons jeux, quoi, je veux dire. Là, ça devient n'importe quoi. On a joué à Taiketsu, c'était déjà un petit peu trop. Là, on est quand même sur du bon, là aussi, hein. Oh là là, n'importe quoi. Ah, c'est pour voir les personnages. Ah, on peut choisir notre personnage. Ah, ça par contre, c'est cool. Il y a un casting intéressant, mine de rien. Ah, on peut même le choisir lui. Ok. Les féministes ne vont pas gueuler, il y a au moins un homme. Alors, ouais. C'est pas mal, hein. On a un petit casting sur au moins 10 000 concurrents, mais bon, c'est pas grave. Mais ça me déprime ce genre de jeu, et ça me déprime encore plus, sachant qu'on a joué à deux jeux d'affilée qui sont franchement pas terribles. Hein. Ça me déprime, hein, les gars. Et quoi? C'est quoi ça le dernier... dernier menu, c'est quoi? Bon. Mais lol, mais c'est la même chose, mais tu te fous de ma gueule. On va choisir toi. Stage select. Ah, c'est du free game, c'est du free mode. Fais voir, qu'est-ce qu'on a? Bon, ça, j'ai plus jamais de la vie, hein, j'y touche. Heila Stage, Kushu Stage, Ichino Stage avec une belle tête. Tanya Stage, magnifique décor. Jesse Stage, d'accord. On choisit quoi? Ichino ou Tanya? Vous choisirez quoi, vous? Je vais choisir. Caristage, ça a l'air bien mignon, mine de rien. Alors, Ichino ou Tanya? Faites vos paris, les gars. Ah, c'est dingue que comme je n'ai plus streamé Spectral vs Generation, et ben là, d'un coup, tout va mieux. Par contre, pour montrer des jeux de merde, le stream, il plante pas. Bon, c'est quand même un petit peu mieux que Taiketsu, hein, mais bon, voilà. Hein. C'est rapide.
Tania? Les paris sont assez pour Tania. J'attends encore un petit peu. Voir vos moultes avis divers et variés. Mais c'est vrai qu'il a l'air magique, hein, ce stage. C'est quand même marrant, il y a une petite musique lors du menu principal, mais par contre, quand tu fais un stage, c'est bon. La musique, elle se coupe, c'est le mode muet. C'est le mode totalement muet. Bon, allez, on part pour... Non! Non! Quitte-moi pas le jeu, mongolo! Oh là, on aura... Vous savez quoi? On aura fait deux jeux d'exception, hein, aujourd'hui. Taiketsu en premier, et ce jeu. Bon, au moins, ce jeu, il y a encore des choses à sauver. Alors, je vais être solo, c'est un time attack, d'accord? Alors, fais voir. Alors, fais voir ton boule, et après, vas-y, voilà. C'est un mode speedrun. YOLO speedrun, d'accord. Waouh! Mais comment je fais? Mais comment je fais? Mais comment je fais? Attends, triangle, carré. D'accord, c'est un versus fighting. Non, je rigole. D'accord. Mais qu'est-ce que font des tranches de jambon ici? Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu? Alors, attends. Mais non, t'es pas fatigué. Tu t'es entraîné des années. Oh putain, coup de poing. Je sais même pas comment on donne le coup de poing en plus. Je l'ai sorti au pif tout à l'heure. Je l'ai sorti au pif le coup de poing. Merde. Mal foutu. Ah oui, c'est un live de jeu exceptionnel, hein. Mais clairement. On est sur des gros jeux, hein, ce soir. Ah putain, ah ben. Je pensais que j'allais tomber sur ces trucs. Putain. Oh mais. La fille! Elle est fatiguée après une course de 20 mètres. Alors qu'elle s'est entraînée au JO depuis des années. Hein. C'est quand même magnifique. Gros, gros potentiel, hein. Pouf. Oui, bien sûr. Ah, elle peut faire un double saut, genre, tu vois? Alors, on va voir le replay, le magnifique replay du jeu. Monte ton boboule, et après, commence. Alors, fais voir. Là, tu vois, le début, ça a très bien été. Mais j'ai l'impression que des fois, le jeu, en fait, il t'accélère la chose d'une façon drastique. Et après, c'est n'importe quoi. Ouais, la belle vue du dessus, hein, c'est une vue extrêmement intéressante. Mais ils auraient pu mettre au moins une musique, hein, je veux dire. Ça m'étonnerait que ce soit un souci de l'émulation, puisque la musique est présente dans le menu principal. Bon, franchement, là, n'importe quoi. Je pense qu'on va s'épargner la chose. Hein. Allez, on peut mettre notre nom. Ouais, mais ben, un AA, voilà. Le magnifique nom que je possède, un AAA, bien sûr. Bon, on va faire l'autre stage et après, je sais pas. Faut dire, j'ai pas envie de live trop longtemps ce soir. Parce que mine de rien, les jeux que j'ai montrés, ils me démotivent, quoi. Et qu'on était parti de ce Spectral qui m'avait l'air d'être un très bon jeu, et que lui, je ne peux pas le streamer parce qu'à chaque fois, le stream, il plante. Donc je vais devoir le faire de mon côté, ce jeu. Alors, Ichino, on va voir ce que tu veux, Ichino. Bon, les décors sont sympas, mine de rien. Oh putain, le sponsoring Coca-Cola. Ça y est. Ah mais oui, mais celle qui avait le vélo, oui. Mais attends, mais elle court avec un vélo. Elle court avec un vélo. Non, elle roule avec un vélo. C'est pas pareil. Mais ils ont un double saut. Et comment je fais? Oh là 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 là. Oh non, non, mais c'est horrible. Ok, ça va. Je pense que au live de ce soir, hein, on a eu notre compte. Hein. Entre Taiketsu et ce magnifique jeu, et rien m'a fait tomber là, il n'y avait rien. Entre Taiketsu et ce jeu, dites-moi quel est le pire. Franchement, dites-moi quel est le pire. Oh là là, c'était... Mais c'est le live jeu de merde ce soir. C'est incroyable. Ah oui. On est quand même sur du gros, hein. Ah bah oui, ça démotive ce genre de jeu, hein. Bon, la semaine prochaine, normalement, je ne live pas.
Sauf pour Deception, éventuellement Narcissus, hein, qu'on commence demain d'ailleurs, soyez présents hein, pour le début du visual novel. Mais c'est incroyable quand même de faire ce genre de jeu. Et c'est encore plus exceptionnel que j'en enchaîne deux d'affilée. Tu vois? Mais il a son charme, hein, je veux dire, les décors, les modèles 3D des personnages. Bah, mine de rien, c'est de la... Comment dire ça? J'ai pas trouvé mon mot. Bah, c'est des modèles 3D bien... comment je vais dire ça? Bah, bien maîtrisés, en fait. Parce que quand tu compares le chara-design de FF7 avec les polygones, voilà, les polygones des personnages qui étaient qui faisaient une partouze sur le modèle du personnage, bah là encore, le modèle des personnages est vraiment beau. Là, le chara-design est vraiment beau. Mais je pense que, notamment, hein, puisqu'on l'a vu durant l'introduction, je pense que c'est pour montrer du fion, hein. C'est pour montrer le beau fion des personnages, donc fallait bien travailler sur le chara-design. Le décor est beau, ça dépend des décors. Le chara-design, ça va. Franchement, ça va, ça a son charme. Mais le reste, franchement, le gameplay, il est horrible. Les décors... j'ai l'impression que c'était programmé par Satan, ou Boss, hein. ou Boss, hein, au choix. Mais c'est n'importe quoi. J'ai l'impression que c'est vraiment une seule épreuve pour ces JO, mais j'ai l'impression, voilà. Hein. Y a pas que la course dans les JO, hein, je veux dire. Oh, waouh. Mais je l'avais pas vu. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Oh là, mais c'est un jeu de qualité. Oh là, c'est ce qu'on apprécie le plus, hein. Fun. Oh lol, mais... Non mais tu vois quelqu'un perdre au JO et dire « Ah bah écoute, j'ai un cookie qui m'a déstabilisé. » Ouais, ça fait très l'esprit JO, ça. Hein. Ah bah désolé, j'ai un cookie qui m'a foncé sur le pied. Mais qu'est-ce que t'as foutu, ma fille. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a foutu, mais la pauvre, là. Rappeler les séquences animées de Salon Silvergun. Bah c'est peut-être le même car designer, hein. Qui sait. On sait jamais. Mais bien sûr. Mais... Non mais je touche plus la manette, là c'est plus possible. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous me direz bien qu'est-ce que c'est que ce machin? Oh mais vivement qu'on en finisse, hein. Oh mais vivement... Mais quoi, comment ça elle fait un mode YOLO speedrun là d'un coup? J'ai rien compris à ma vie. Elle fait le mode YOLO speedrun. Mais bon, bien dans boule et here we go. Bon, on va arrêter. Je pense que je vais encore refaire un stage et après c'est tout. Hein. Après ça marquera la fin de ce live. Parce que je suis également fatigué hein, que voilà, continue pas ce live. Et que ça m'a un peu fatigué au début, moi aussi, que ça n'allait pas. Et que ça me fait un peu craindre pour demain, j'espère que ça ira, pour le live de Narcissus, hein, pour le coup. J'espère que ça ira. Mais ça me fait peur, hein, ce jeu. Il me fait peur, hein. Couche ou stage? Quoi? Je vais aller dans l'espace? Bah, tu vois, Loadfire, visuellement parlant, il est vraiment sympa. Le chara-design est beau, les décors sont magnifiques, pour la PS1, hein, je veux dire, non, la PS1. Ouais, mais sur le module speedrun. Mais je te jure que le gameplay, il est horrible. Le gameplay, il est vraiment horrible. Bon, faut vraiment, tu vois, tâter de la manette pour s'en rendre compte. Faut vraiment tâter de la manette. Hop. Mais c'est un potentiel jeu à speedrun, ça, hein. Attention. Merde. Oula. J'ai cru que ça me tombait dessus. Oh merde. Je pensais que j'avais la strat. Attention, hop. Oh, mais lol. Et puis, il n'y a pas de musique. C'est quand même dommage, ça. Il n'y a pas de musique durant le jeu. Ça enlève du fun, quoi. Ça rend le jeu vide. Il n'y a pas d'atmosphère. Allez, le FPS. Ah ben, c'est bien, ça. C'est conceptuel.
Oui, je pense qu'à plusieurs, ça peut être bien. Bah tiens, attends, on va regarder. Il y a peut-être un mode à plusieurs. Bah rien de voir. J'ai même pas envie de marquer mon nom, tu vois. J'ai même pas envie de marquer mon nom. Alors, est-ce qu'il y a un mode de joueur, tiens? Ça peut être marrant. Ça peut être extrêmement marrant à voir s'il y en a un. C'est vrai qu'à plusieurs, ça peut être marrant. GTO. Non, apparemment, il n'y a pas de mode de joueur. C'est vrai que mine de rien, ce jeu, hein, il aurait pu être marrant à plusieurs. Il aurait pu être marrant à plusieurs. Bon, les petits amis. Donc, je vais couper le Loca Record. Donc, merci à ceux qui regardent la VOD.